Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 18 décembre. Certaines informations annonçaient la fin du monde hier. Un astronome sud-américain annonçait que l'alignement de la plupart des planètes de notre système avec le Soleil allait entrer en collision et provoquer la fin de la Terre. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que cette nouvelle était inexacte. D'ailleurs, les ménagères témoignaient de la réalité de leur optimisme en revenant hier du marché avec autant de beurre et de patates qu'à leur habitude, malgré les prix élevés. Le journal Le Figaro rapporte que la situation est grave à Barcelone. Les troubles ont éclaté. On signale à l'heure actuelle 8 morts, dont 2 gardes civils. Une femme qui portait une bombe a été arrêtée. À Madrid, la grève des tramways continue. Les chômeurs font appel à la solidarité des autres corps de métier. Des coups de fusil et des pierres ont été échangés aujourd'hui entre la police et les grévistes. De nombreuses arrestations ont été opérées. Le journal Ouest Éclair exprime qu'on aurait dû briser l'unité allemande, qui fut la condition et la cause de son hégémonie et de son insolent orgueil. On a laissé vivre la bête féroce. Il est d'une prudence élémentaire de lui casser les dents et de lui rogner les ongles. Bien fous seraient les alliés qui se fient encore aux turlutaines de l'idéologie wilsonienne, qui pourraient nous jeter dans un abîme de misère. Ils ne se rendaient pas compte qu'il faut écraser le militarisme allemand si l'on veut que le monde jouisse de la bienfaisante paix. L'Allemagne doit expier par le travail qu'elle produise pour vivre et payer sa dette. Pourtant, l'armée des vaincus subsiste toujours. Il est juste et indispensable que sa force militaire soit anéantie, parce qu'elle sera toujours une menace pour la paix dans le monde et pour le bonheur des peuples convalescents et qui veulent vivre et se redresser. Il est temps de montrer aux Allemands que l'énergie de fer qui les a vaincus ne s'est point métamorphosée en vapeur métaphysique. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.